Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour la dernière session enfin de Neverwinter Night parce que c'est ce qui va être la dernière session du jeu, la dernière session de toute une vie, de tout ce périple qui aura duré beaucoup trop longtemps. Alors c'est ma faute, hein, ça dure longtemps, c'est parce que ma vie n'est pas très facile et que ma molette de souris répond mal. On va enfin y aller. Là, j'ai la solution à côté de moi, toujours. Normalement, si tout se passe bien, et normalement ça va bien se passer, à moins d'un énorme problème, c'est fini. À part ces deux trucs là qui m'ennuient un petit peu, ce qui fait que je suis un peu trop lourd. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais enlever tout ce qui ne me sert plus. Tout ce qui me sert plus, c'est-à-dire les pierres solitaires ne me servent plus. Il y a plein de choses qui ne me servent plus. Genre, même ça, je peux pas l'utiliser. Ça, c'est juste un truc à la con en plus qui m'emmerde. Le diamant, je ne me sers pas. Le topaz, je m'en sers pas. Ça m'enlève rien. Ouais, le sus sans une arme, ce qui pèse un tout petit peu lourd. Waouh, 1 kg, ça ne me sert pas. Ça doit être les potions, je pense, qui me prennent énormément de place. Bon, les miettes de contrôle, on trouvera plus de géants, donc ça ne me sert plus. Qu'est-ce qui ne me servira plus? Le cœur de l'obélisque, je le garde quand même dans le doute, même si je pense que ça ne me servira à rien. La potion me servira à rien, mais ça pèse à rien. J'ai rien du tout qui pèse lourd, j'ai absolument rien du tout. J'ai rien. À part ce que j'ai sur moi, et c'est ça qui pose problème. Du coup, on va y aller comme ça. Écoutez, on verra bien ce qu'il en est. Du coup, allons-y. J'espère que tout va bien se passer. C'est pas la bonne touche. Oui, ma touche. Là. Alors, oracle des lieux. Monsieur, bonjour. Bonjour, excusez-moi monsieur. Excusez-moi, mais avant d'aller plus loin... Oui. Cet arbre, je l'ai reconnu. Ouais, si tu veux. Quel arbre? Si tu veux. D'accord, pourrais-je reconnaître cet arbre? Mais quel arbre? Mais d'où le connais-tu? Ouais. Oh là là, nous avons gravé nos initiales. Waouh. Innocente. Oui, vive. Oui, je veux voir l'oracle. Ah, mais. Waouh. Yes. Alors, usage de femme des papiers en regard fréquent. Ah, oui. On en a assez d'attendre, planétaire. Assez d'attendre, et vous m'avez trouvé deux fois. Deux fois vous m'avez trouvé, mais je ne répondrai qu'une fois. Je vous l'ai dit, planétaire. Bon, ouais. Je viens de mon propre chef. Tout se met sans trouver l'autre sur le. J'ai un peur qu'elle ait perdu la raison. Et... Alors, mon seul. Où est l'oracle? Où l'oracle est donc, c'est en. Sauf que je refuse de répondre à cette question. En fait, oui. Ah, je vais vous donner deux réponses à cette question. Ah. La première se trouve dans l'anneau qui a conduit ici. Associé aux trois bandes d'espoir qui le composent, je regarde l'anneau. Entre les trois bandes qui le composent, vous aperçoit une sorte de filament noir entrelacé figé sur place et froid comme éclair. Et la deuxième réponse, vous n'êtes pas le premier à chercher leur prison. Bout du septième rayon, un trou a été creusé et un terrifiant diable libéré. Seul le trou ayant été. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'en a rien plus tard, peut-être le plus. Bon, bah merci. Bon, je vais lire mon journal de quête. Alors, oula, alors Arden le Vif, je suis client de taverne, j'en ai un foot. Mephitopheles, j'en ai un foot, les pays de l'Archibald. Alors. On est d'accord que ça c'est les... Ouais, ok. Et pour fuir les enfers.
L'oracle a accepté de vous aider à notre quête. Elle a insufflé une nouvelle magie dans un autre dormeur. Elle a pu se diriger vers sa sœur. L'oracle dit non. Alors, le temps est une roue à 12 rayons. Il y a chaque heure de vos vies. Un rayon passe. Quel que soit passé, cet rayon entre aussi. Ouais. Tout à fait d'accord. Et donc, du coup, on va prendre la porte astrale. Et j'y vais en marchant parce que je suis très très lourd. Très lourd. Alors voilà, au plus profond des terres, désolé de Kania. Donc je prends ma seuille, la sauvise, pardon. Alors, donc on y est. Donc il fait froid. Donc comme toujours, des empreintes de pas. Ça va juste être long parce que je suis. Oui, Arimès. Les enfers sont plus froides que vous ne pensiez. Ah, oui. Pourquoi la glace, hein? Je te fais revenir. Hein? Mais revenons aux autres questions. Oh là là, j'ai pas le temps de vous écouter. Ah, les enfers sont plus froids. Je n'avais pas le temps pour avancer en mon religieux. Tiens! Alors, vous remarquez les traces de pas profonds, les créatures ayant aussi visiblement une sorte de grande. Ah, des créatures de grande taille. Je me trompe dans ma touche de sauvegarde. De toute façon, on va y aller tranquillement. Je me prends du froid, c'est tout à fait normal. Alors, ça va juste être loin à cause de cette merde. Hein. Ce que je peux faire par contre, c'est si on me. Oh, salut. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, prenez-vous des dégâts. Oui, vous prenez des dégâts. Oui, il prend un peu de dégâts. C'est bien. Oh, il est décédé. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oh, chien. Ils sont grands, plus ils tombent de haut. Pourquoi ça va être pratique de se soigner ici? Excuse-moi, oui. Je peux crever. Alors, j'ai énormément de potions, donc je me permets. J'en ai marre personnellement de ne pas aller vite. Excuse-moi, ouais, merci. J'ai une question. Merci. Attends, il me faut seulement. Non, attaque lui. Voilà. On se met à 2 sur 1 ennemi, c'est la tactique. On va se faire un peu rétamer les gueules, mais c'est pas grave. Yeah. Ah bah non, il était pas mort. Ah non, on y voit rien avec tout ce blanc. Alors, je regarde un petit peu ce que propose la map afin de savoir le chemin le plus rapide pour avancer, parce que on va quand même essayer d'aller vite. Donc ouais, non, attends, juste en haut. Alors là, il y a un coffre par là, il y a un coffre qui est super cool, uniquement accessible avec l'anneau. Qui s'intéresse, t'es sérieux. Oh génial, je suis obligé de faire le tour. Obligé de faire le seul tour. Et puis c'est pas un petit tour, hein, c'est un grand tour là-bas. Et ben on y va tranquille.
C'est un peu énervant d'avoir ce manus quand même. Je ne vous le cache pas. Putain, j'ai un manus de force, merde. Voilà, je suis obligé d'y aller à petits pas. Petit pas, petit pas. Ah oui, on se prend des dégâts de froid, mais bon, ça va encore. C'est pas des énormes dégâts de froid. Allez, on se dépêche. Pour pas d'hiver. Yes, 2, 3. 3 gens. Pas résistant. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle ça. Là, on va par là. Là-bas, a priori, il y a un coffre aussi, il me semble, ou un truc intéressant. Donc par là, sauf qu'il y a encore plus de géants et plus d'ennuis. Donc n'y allez pas. Là, on a un cristal. Ah, les cristaux. Les cristaux. El famoso cristaux qui nous révèle l'avenir. Et le... D'accord, si tu veux. Ah, des débris. Je vais quand même prendre le débris là, histoire de dire que... Il y a peut-être quelque chose. Ah oui, on va utiliser 3 baies. Et on va se reposer. Ça, c'est juste pour éviter de réutiliser des potions. Alors, ensuite... Alors, je vais peut-être mettre la pause assez souvent après parce que il y a un enchaînement qui va être un tout petit peu long. Donc le cristal pour voir le Fist of Hélès. Examinons. C'est le caca, comme diraient certains. Et évidemment, j'ai toujours... C'est pas le bon chemin. 850 d'XP. Ou alors, si je peux level up pour m'enlever la malédiction, est-ce que ça marche? Que le mal disparaisse. Ouais. Oh, gardien de froid. Yes. 1, 2. Oh, il y en a 3. Il y en a 3, ils ont l'air beaux. Si tu peux te battre, personnage, merci. Personnage, merci. Bon, là, le jeu est en train de perdre la tête. Pour vous dire à quel point il est où. Le jeu est au bout de sa vie. Mon personnage aussi. Voilà, on l'a attaqué. Et puis il y a un louveteau. Voilà. Pauvre louveteau. Pauvre louveteau. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, on a un truc incroyable qui a l'air waouh. Je vérifie juste que je me sois pas trompé d'endroit. Non, c'est bon. Donc, c'est la porte là. Allons-y. Wink. Cœur de la forteresse. Oui, c'est ça. Alors. Alors, selon
selon la solution, je peux me changer. Je peux me changer en élémentaire de pierre. Donc il faut que je retrouve mon amulette. Utiliser. Et on va se transformer en élémentaire de pierre. Ouais, et si on peut avancer, ce sera encore mieux. Et normalement, je peux projeter des éléments du décor. Je suis résistant au moins dans cette crèche, je suis absolument pas résistant. Je me fais tellement défoncer ma gueule. C'en est ridicule. Je n'attaque même pas. Ah si, j'ai mis un dégât. C'est arrivé ce qui s'occupe de tout. Je mets tellement pas de dégâts. Oh, ça va être triste ce moment. Je vous annonce que ce moment va être très triste. Bon. Je vous annonce qu'il y a aussi un certain regret de ma part d'avoir fait ça. C'est quoi ça? Enclos des Luchas. Ah oui. Vas-y, viens, 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 viens. Ah oui. Ah, une attaque qui one shot. Putain, oui. Est-ce que c'était une excellente idée d'être venu? Possiblement que non. Que le sol vous engloutisse. Par contre, son personnage peut attaquer. S'il vous plaît, merci. Regardez, c'est 19 d'attaque fixe. Bon bah l'astuce elle va être simple. Hein. Ah. Il est déjà l'heure. Ah bah voyons. Bon bah ça va être parti pour des morts en boucle. Hein. On essaye d'éviter de trop sauvegarder aussi. Hop, allez, c'est moi qui prends. Ah bah oui. Ah ça va être un petit peu énervant, donc ça se trouve je vais devoir craquer mon slip. Tout va dépendre de cette action. Ah, si je peux juste tuer. Merci. Voilà, des fois il suffit juste qu'une une bonne RNG arrive. Il y a eu la bonne RNG. Alors attendez, excusez-moi, je mets juste un petit truc. Je suis à vous dans 5 secondes messieurs. Je fais juste ça. Voilà. Je m'en mets juste 10 potions. Voilà, voilà. Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez, attaque. Attaque, au lieu d'avancer. Merci. Petite potion. Petite save. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, à chaque fois je suis obligé de remettre ma carte, c'est chiant. Une brèche dans la forteresse. Et eh ben. Quoi? Champ de bataille balayé par le vent. Waouh! Wargue, je sais pas où je vais! Oh la vache! Moi oh, c'est le. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu le merdier actuellement. Voilà. Oh, toi t'as l'air grosse. Et je suis empoisonné.
Ah, c'est la bonne ambiance hein, actuellement. Bon, ça y est, je m'ennuie. C'est bon, c'est terminé. C'est... Non, mais je suis vraiment désolé que ça arrive comme ça, mais non. Si je m'ennuie, c'est qu'il a réussi à me faire chier. Alors, ouais, on y va. De toute façon, Ah, mais ça. Donc, du coup, j'invite tous ceux qui ne voudraient pas voir ça à partir. Voilà. Ah! Voilà. Et maintenant on fait n'importe quoi. Presque n'importe quoi. Voilà. Et donc là, normalement, on est en debug mode. On va commencer à s'amuser un peu plus. Alors, prêche. Et là. Voilà. Bon, on y va. Alors oui, des fois ça marche pas très bien, donc il faut insister. Ah bah les blabs. Super. Niveau supérieur. Voilà, j'invite donc toutes les personnes qui ne voudraient pas voir ça à se barrer très très vite. Moi je veux finir ce jeu, je finirai ce jeu. Non, on va même foutre ça dans parade, mettre tout dans la parade, hein. Tout dans les premiers soins, voilà. Et puis bah voilà, ah bah super. Mais quoi ça? Vas-y. Voilà, parfait. Du coup c'est. Garde. Tu vas arriver à ça. À part certains combats, évidemment, je one-shot tout le monde. Remords. Non mais ça va vite au moins comme ça. Puis moi je m'ennuie pas. Je suis désolé pour ceux qui ne voulaient pas voir ça. Vraiment. Mais il y a un moment. Quand le jeu te roule dessus, tu n'as plus envie de respecter le Dijon. Donc là je cherche un petit peu. Il y en a. Oh attends, un remords. Attendez une cinématique. Waouh. C'était magnifique. Ah oui, c'est ce dont je vous parlais, que je pouvais lancer des trucs. Voilà, c'est censé être amusant. Perso, voilà.